Amis sportifs, bonjour et bienvenue sur Congo Sport TV. L'émission, c'est bien entendu l'invité de la semaine. Et cette semaine, nous recevons le champion MMA. Il s'agit de Gélin Kitubu, qui nous vient tout droit de l'Afrique du Sud. Il est ici en vacances depuis pratiquement un an. Et avec lui, nous allons donc discuter de toute son actualité, notamment les débuts de sa carrière, où est-ce qu'il a commencé et comment lui est venu le goût de pratiquer cet art martial qui est vraiment très rigide et très rigoureux. Et aujourd'hui, il fait la fierté du Congo, bien que combattant pour l'Afrique du Sud, mais nous l'avons vu avec le drapeau congolais lors d'un combat. Et en tout cas, c'est très événementiel parce que le Congo n'a jamais eu un champion dans cette discipline. Gélin Kitubu est avec nous. Il va donc nous raconter toutes ses péripéties liées à sa carrière. Et c'est dans l'invité de la semaine. À tout à l'heure. Bonjour Gélin Kitubu. Bonjour. Alors, dites-nous, depuis combien de temps vous êtes déjà à Brazzaville? Ça fait déjà une année, le 6 novembre. Ça fait une année au Congo ici, donc c'est ça. Si, depuis le 6 novembre jusqu'à aujourd'hui, ça fait déjà plus d'une année. Alors, champion, votre histoire est très méconnue du public. Les gens ne connaissent pas vraiment qui vous êtes réellement. Est-ce que vous pouvez nous dire où et quand êtes-vous né? Et d'où vous est venue l'envie de pratiquer le sport? Pour bien voir, je suis un enfant de la guerre, 1997, né ici là au Congo. Même si je ne connais pas là où ça a pris lieu et tout ça, par rapport, je crois, j'ai vu la guerre au temps là et tout ça. Et puis ça, et puis par rapport à tout, mon père fut déjà en Afrique du Sud dans le temps de 2001 ou 2002 comme ça. Et puis avec le temps, en grandissant, ça c'est vers l'âge de 6 ans, 7 ans. Puis maman décide de m'envoyer chez mon père, ça c'est en Afrique du Sud. Et puis c'est là où tout a commencé. Et puis par rapport, étant seulement un enfant de l'école, et puis l'amour du sport est rentré. Ça c'était pas encore le combat, c'était juste le sport comme ballon, rugby. Et puis grâce à un choc que j'ai reçu dans mon corps, et c'est ça qui m'a amené dans une salle de gym de combat. C'est là où mon carrière a commencé, et l'amour du combat et pratiquer l'art. C'est juste presque tout ça pour être plus mieux, bref. Alors champion, vous ne pensez pas que c'était vraiment trop compliqué pour vous parce que vous avez eu un choc et vous décidez de pratiquer encore un sport plus rigoureux encore, là où on vous demande encore plus d'efforts. C'était un défi ou quoi? C'est ça, on dit, il y a un mot, nous en anglais, on dit « What doesn't kill you makes you stronger ». Je ne sais pas en français, peut-être on dit « Ce qui ne te tue pas te rend fort ». Bon. C'est ça. Donc c'est, ça, c'est ce mentalité que j'ai toujours eu dans ma tête. Parce que à part même le choc, j'ai toujours été discriminé par les autres. Comme on m'a toujours dit « Toi, tu dois jouer le foot, toi, le rugby, c'est pas toi, tu es étranger, repars chez vous, tout ça, ce sport, c'est pas pour vous ». Donc par rapport à tout ça, ça m'a rendu aussi fort. Donc après ce choc, ma mentalité m'a amené dans la salle de gym pour soulever le fer, pour plus améliorer mon choc. Parce que ce sont les recommandations que le docteur m'a données. Parce qu'il m'a dit, comme c'est le choc de dedans. J'avais pas une plaie dehors, mais c'est le choc de dedans. Donc ça, c'est quelque chose qui peut s'arranger par rapport en prenant les médicaments, les traitements et s'améliorer petit à petit pour bien ranger, pour soigner mes douleurs. Puis c'est ça. Et puis par rapport à ça, je me suis trouvé dans une salle de gym, j'ai commencé à faire ça. Et puis il y avait des classes de kickboxing, boxe. Et puis moi aussi par rapport à ça, j'ai dit ok, ça va aider avec mes mouvements et tout. Et c'est là où, et c'était le temps que ce blanc m'a vu. C'était un coach de la kickboxing. Puis il m'a vu, il a dit tu t'es déjà battu. Moi j'ai dit jamais de ma vie, je suis seulement là pour arranger ma plaie. Après il a dit j'aimerais pratiquer l'art. J'ai dit sais pas, mais je vais m'en donner pour voir là où ça m'amène. Puis depuis là-bas, il a pris, il m'a dirigé. Donc je lui ai donné le chemin, il m'a dirigé. C'est là où je suis aujourd'hui. Je suis très reconnaissant de lui aussi. Bon, vous pratiquez quel sport aujourd'hui? Vous êtes reconnu comme pratiquant de quel sport? Ok, pour bien être bref aussi, la MMA fut un sport. La MMA fut un sport connu à l'époque,
le temps là, on appelle ça le combat sauvage, le combat de cage. Donc c'est un sport qu'on a établi à l'étape par rapport au temps. Les gens ont dit que c'était très dangereux parce que ça prenait des vies. Il n'y avait pas encore des règlements d'intérieur et puis là où tu te dis que vraiment c'est un danger. Donc on avait carrément annulé, c'est parce que c'était un combat très sauvage. Donc on peut dire que c'est un combat sauvage, dangereux et ça prend ta vie dans des secondes. Donc ça c'était comment ça a commencé, on a enlevé ça. Maintenant d'ici vers, je peux voir d'ici vers les 1900 forts, on a encore recréé ça, on a encore permis ça. Et puis à ce moment c'est là où moi je suis maintenant basé. Donc je suis un combattant de la MMA, en anglais c'est Mixed Martial Art. Donc pour dire tous les arts que nous tous on connaît, comme le judo, le karaté, le tai chi, le jiu-jitsu, la boxe, le kickboxing, le semi-contact, full contact, donc tout sport qui a le contact qu'on connaît dans ce monde est combiné dans un. Le muay thai, on a tout, donc c'est combiné dans un qui crée la MMA. Parce que dans le genre de combat qu'on fait, tout est permis. Et puis c'est un truc très dangereux. Donc là, carrément, je suis un combattant de la MMA et professionnel à ce moment. J'ai eu mon contrat professionnel, ça fait un peu des années. Et c'est ça. Donc c'est ça qui me rend dans le domaine de la MMA. À quel âge vous avez commencé à pratiquer ce sport? Ouais, pour bien voir, j'ai commencé à l'âge de 14 ou 15 ans. Là, j'ai commencé d'abord avec le kickboxing et la boxe. Panaché, et puis c'est là où l'amour de la MMA est rentré vers le 2016-17, et c'est là où j'ai eu mon contrat aussi par rapport à mon expérience des combats amateurs que j'ai pu avoir avec le temps et tout ça. Donc pour voir, c'était 14 ans, 15 ans, et j'ai pu commencer avec le sport comme combattant. Alors aujourd'hui, vous êtes à combien de combats et quel est votre palmarès? Pour bien voir aujourd'hui au Congo ici, 100 combats d'une année, pour voir l'année 2019 est carrément parti dans l'eau, et 2020 aussi, pour bien voir, puisque là je suis au Congo. Pour bien voir, en total j'ai 27 combats, 0 défaite. Je suis un champion de 2017, 2018 et 2019 en poids médian, en poids 78, donc c'est semi-léger. À mon catégorie, donc c'est ça. Donc là, je détiens la ceinture de trois continentales poids, qui vraiment ça me pèse beaucoup, parce que là j'ai un gros travail à faire. Donc c'est ça. Donc ça c'est ce que j'ai pu établir dans mes années de combat. Donc vraiment, je me détiens ça. Alors, puisque vous détenez la ceinture tricontinentale dans ce sport MMA, alors dites-nous, vous combattez pour l'Afrique du Sud ou pour le Congo? Parce qu'on vous voit parfois arborer le drapeau national vert, jaune, rouge, mais vous êtes quand même en Afrique du Sud, et puis ce sont les Sud-Africains qui sont derrière vous. Donc pour qui vous combattez réellement? Donc pour ça vraiment, c'est la question très personnelle, et puis c'est quelque chose de très profond. Et puis là je vais être honnête devant la population congolaise. Je veux dire, je suis rentré dans ce pays très petit. Je n'ai pas appris notre culture congolaise. Donc, j'ai appris quelque chose d'autre dans notre pays que je me suis approprié, adapté. Hein. Et puis, c'est devenu mon propre culture. Mais pour bien voir, on dit vraiment le sang. Tu peux y partir loin dans la vie, mais ton sang et reconnaître tes origines, ça ne part jamais. Donc, pour bien dire, j'ai toujours été fier de mon pays. Votre amour pour le Congo depuis l'Afrique du Sud, c'est dû à quoi? L'amour est venu carrément depuis l'enfance. Et puis, bien voir, par rapport aux des années que j'ai passées à l'extérieur de mon pays, j'ai toujours eu cet amour, toujours représenté mon pays comme combattant et rendre mon pays aussi fier. Donc, l'idée était venue comme ça aussi, représenter le pays avec le drapeau. C'est aussi par rapport à la différence, parce qu'on a toujours été aussi confondus partout dans le monde, puisque nous on est Congo, on est tous Congo ensemble, mais on est Congo Brazzaville et Congo RDC. Donc par rapport à ça aussi, je voulais aussi donner l'image pour dire que on est Congo, mais il y a la différence Congo Brazzaville. Donc c'est ce que m'a donné la fierté,
sortir avec mon drapeau. Malgré que je me batte pour l'Afrique du Sud, j'aime content sur l'Africain. Je me bats pour eux dans leur pays, dans leur nom. Mais ils ne m'ont jamais arrêté de présenter qui je suis, qu'est-ce qui me rend fier, qu'est-ce qui fait que je dois monter dans le ring, dans ce cage pour donner mon tout. C'est parce que cette fierté. Donc c'est ça pour moi. Donc l'amour est toujours mon pays en premier. Et rendre mon pays fier et toujours montrer aux populations qu'il y a un Congolais, un Brazzavillain qui rend son pays fier. Et on est toujours un number one. Parlons de ce sport, le MMA. C'est un sport très violent. Est-ce que vous pensez vraiment faire carrière dans ce sport-là pendant longtemps ou bien est-ce que vous comptez arrêter d'ici quelques années? Bon, ça c'est quand même une bonne question. Par rapport à l'âge, j'ai un âge de 24 ans. Donc, pour bien voir mon goal à ce moment, mon but à ce moment, je me mets un peu à l'étape, je suis un peu en retard par rapport à là où je voulais un peu être dans ma vie à ce moment. Mais on voit, 2020 est parti trop dans l'ignorance, là où on ne peut rien faire. Personne ne peut arrêter ce qui s'est passé. Normalement, le but c'était, dans l'année de 2020, c'est monter les grades, donc genre partir à l'extérieur de l'Afrique du Sud. Donc ça c'est pour entrer vers Angleterre, Allemagne ou même Amérique. C'est là où vraiment mon carrière va carrément commencer. Par rapport au contrat et l'âge qu'on met. Parce que le combat de la MMA, c'est pas quelque chose qu'on peut se battre comme on veut. Il y a un âge là où tu sens que les jeunes vont toujours nous dominer et tout ça. Donc il y a une solidarité. Donc moi, j'ai prévu pour moi et mon corps, j'arrête à l'âge de 37, 38 ans avec le combat de la MMA au moins, rentrer dans 40 ans, là je prends ma retraite. Par rapport aux tensions physiques, le corps physique qui ne va plus donner et tout ça, donc ça on doit comprendre parce que déjà on aura les docteurs qui vont nous recommander, notre corps est en danger et tout ça, donc c'est ça. Mais là avec cet âge, on est prêt pour vraiment briser les barrières, pour monter les étagères parce que c'est ce qu'on a comme dans la tête. Donc je sens comme je vais pour maintenant et tout ça. Vous n'avez pas peur de mourir un jour sur le ring? Ouais, pour ça, ouais, avoir peur, c'est quelque chose qu'on doit respecter. Ouais, j'ai peur parce que c'est pas moi qui contient ma vie. J'ai peur. Mais donc, avoir peur, j'ai mon courage parce que prenons un peu l'exemple de David et Goliath. Et puis c'est ça qui me rend toujours fort parce que je dis que je peux être ce gars qui est mince, lancé. Mais ce qui est dans moi, c'est ce qu'on ne connaît pas. Donc c'est bon, c'est juste ce vouloir dans moi pour montrer au juste que j'ai dans moi. Donc c'est ça. Donc c'est un truc très dangereux. C'est un combat très dangereux. Et puis j'ai vu mes amis, mes frères qui ont perdu leur vie carrément. Lors d'un combat, 0 seconde, carrément. C'était pas facile. Mais moi, je me suis dit que moi, je ne vais pas partir comme ça. Et le bon Dieu avec moi, pour me protéger, tout ça. Donc, malgré le danger, on a toujours confiance. On a prudence aussi. On a prudence aussi, et tout ça. Comme ça. Maintenant, vous êtes resté au Congo pratiquement un an. Vous avez rencontré des jeunes qui, comme vous, se sont peut-être aussi intéressés à la pratique de ce sport. Qu'est-ce que vous leur dites et qu'est-ce que vous entreprenez avec eux ensemble? Alors, pour les jeunes, c'est en Congo-Brazza, il y a ceux qui m'ont aussi vu dans quelques émissions qui sont passées. Ils étaient motivés et ils m'ont contacté et bon, ils m'ont approché avec toute possibilité que je pouvais. Moi, je me suis ouvert pour eux. On s'est vu, il y a ceux qui m'ont invité, il y a ceux que j'ai invités. Et puis on a pu parler et puis je leur ai dit, la force n'est pas moi, c'est la force n'est pas moi. Si je pourrais changer rendre leur vie plus heureuse, je pourrais le faire. Mais la force, ça va venir de notre gouvernement, ça va venir de nos anciens, nos parents, les gens qui nous valorisent un peu pour voir comment nos talents vont s'améliorer. Parce que, à part la boxe et la kickboxing, il y a beaucoup de jeunes qui aiment la MMA. Parce qu'aujourd'hui, la MMA est l'un des top sports du monde qui dépasse même le catch que nous a grandi en regardant. Le football qu'aujourd'hui, quand on voyait les Messi, et le Ronaldinho, Noro, Modé et Cristiano.
Mais là, c'est maintenant le combat. Là, c'est maintenant la MMA qui tire. Attention, carrément, quand tu vois la MMA, tu vois les hommes se battent, les femmes se battent, les hommes. Donc, toute la famille est là, on te voit le spectacle. Et puis, c'est un spectacle si dangereux, mais ça t'apprend. Parce que dans le combat m'a pris le respect, ça m'a pris l'amour et ça m'a pris le self-control. Parce que je peux être combattant, ça ne veut pas dire que dehors, là-bas, je peux taper qui je veux. Non. Donc, ça m'a donné cette discipline que même un adulte devant moi, il ne va pas comprendre. Il va m'attaquer avec tout genre de paroles. Moi, je serai toujours calme parce que je sais ce que j'ai dans moi et puis ce que je pourrais faire. Donc, c'est juste ça. Donc, chaque chose qu'on fait dans la vie, ça nous apprend. Et puis, pour tous les jeunes, je leur ai dit, ne arrêtez pas. Continuez avec votre rêve. Continuez à s'entraîner. Continuez à croire en toi. Parce que ça va changer un jour. Depuis le jour que ça va changer, tu dois être prêt. Tu ne dois pas être là pour dire, ah, moi, j'avais arrêté, ça fait des années. Non, tu dois être prêt. Parce que quand le temps va venir, la chance va venir, tu dois être prêt. Il faut être au rendez-vous. Il faut toujours être prêt pour le renouveau et tout ça. Donc, c'est juste ça que je dis pour les jeunes du Congo. Et puis, autant que je suis encore là, restez en contact. Suivez les émissions, contactez-moi. Venez, on va, si vous voulez faire les classes ensemble, venez, on va faire. Je veux partager ce que j'ai pour vous montrer et vous aurez aussi pensé ce que vous avez à me montrer. Donc, c'est ça. Alors, vous êtes ici à Brazzaville. Est-ce que vous avez déjà rencontré les autorités sportives, président de la fédération, par exemple, de kickboxing, ou bien quelques athlètes? Si oui, vous avez discuté de quoi? Quels sont les projets? Voilà. Je n'ai pas vu ceci beaucoup important. Je ne sais pas comment je peux dire ici. Là. J'ai pas vu des gens qui sont en charge de trucs sportifs au Congo parce que je sais pas, ils n'ont pas eu le temps de me contacter. Bon, j'ai pas eu le temps de leur contacter par rapport au lac de l'information. Voilà. Comment je peux me mettre en contact avec eux? Ils sont informés. Alors, que tu es ici à Brazzaville. Pour bien voir, passé dans les médias. Pour bien voir, je suis informé parce que je suis passé par DRTV et donc quelques médias qui m'ont aussi balancé et puis ça a été partagé. Donc je crois que deux, trois personnes ont pu avoir un coup d'œil à me voir. Donc c'est maintenant à eux de prendre l'action. C'est comme je dis, je suis un jeune talentueux qui est un Congolais et qui est leur enfant à ce moment, leur fils du sang au Congo. Donc c'est à eux de m'approcher, aussi à se mettre à l'état qu'ils veulent vraiment voir ce qui est dans moi, qu'ils peuvent me motiver d'autres jeunes. Parce que tout ce que je fais et tout ce que je veux, c'est pour motiver d'autres jeunes. Parce que demain, là, c'est le futur qui va nous suivre. Nos petits frères, c'est eux qui vont nous remplacer. Ils vont voir. Donc on veut être des rôles modèles. Donc on ne rate pas ce qui est devant nous, qu'on parle. Il faut saisir l'opportunité. Donc ce que je veux vraiment, que les autorités réfléchissent un peu deux fois au plus, pour au moins sûrement faire de leur mieux pour que on parte en avant. C'est ça. Le phénomène de Kuluna, des bébés noirs, a pris de l'ampleur dans la ville capitale et même dans tout le Congo. Est-ce que vous pensez que ces jeunes-là pouvaient être orientés dans des sports de combat tels que vous le faites en MMA? Oui, ok. Juste pour un projet. Et puis ça, c'est un projet, je peux donner l'idée. Puisqu'on voit l'humain comme ça, comme il trouve l'idée d'une autre personne, il est prêt à prendre ce qu'il veut. Et puis c'est ce que je donne, c'est une table ouverte. Donc, pour ceux qui veulent écouter, les gens qui font les Kuluna, tout. Ce sont les gens comme nous, ce sont des choix qu'ils ont pris, mais ça ne veut pas dire dans leurs écartés. Mettons eux dans ce domaine qu'ils veulent être et utilisons ça pour quelque chose pour leur bonté. Imaginez qu'on crée un encadrement de classe de MMA. Là, on va créer au moins 15 bons éléments combattants qui vont faire les trucs proprement, pas sales, parce que nous, ce qu'on veut, c'est le sport. Le sportmanship, pas le banditisme, parce que par rapport au banditisme, il va trouver la mort rapidement. C'est ça. Et puis par rapport à être bandit, il va trouver ce qu'il veut voir dans lui. Parce que beaucoup de jeunes qui sont dans les encadrements de Kuluna, parce qu'ils n'ont plus de rêve, ils ne croient plus en eux, ils ne voient plus d'espoir. Ils n'ont plus d'espoir. Mais là où ils ne voient pas l'espoir, l'espoir se voit comme dans tes actions. Donc en pratiquant du sport, on essaie un peu d'orienter sa vie. C'est ça. Donc les Kuluna là, je veux dire, les Kuluna là, c'est pas des trajets. Leur destin, c'est pas dans en prison, non. Leur destin, c'est être. On doit leur donner la chance. On leur donne la chance, centre de formation, une chance qu'on leur dit, oh, fils, toi, tu as le talent. Tu es un porteur spécial. Ouvre-toi, donne-toi ce que tu possèdes en toi. C'est là où tu vas aller en avant.
Parce que, comme je vous dis, j'ai aussi vécu avec les amis en Afrique, ce qui a fait la drogue, qui est plus que le Kuluna que je vois ici. Parce que je veux bien dire, le Kuluna, c'est juste un nom. Il est une personne qui est carrément comme moi aujourd'hui. Donc, c'est ça. Donc, avec eux, on pourrait changer. Et puis, comment pouvoir devenir un Congo plus mieux sans le Kuluna, si on prenait un peu attention à ça. Alors, champion, vous allez défendre votre ceinture très bientôt. C'est déjà en quel mois? Ça, c'est carrément. Ça, je crois que ça pourrait se faire d'ici mars. Parce que moi, dès que je rentre, je ne peux pas aller me battre directement. Parce qu'on a un règlement. Le combattant qui rentre, qui se prépare pour un combat doit prendre au moins 2 mois de préparation. Donc, pour dire que moi, quand je repars, j'aurai un bootcamp. Ce bootcamp va faire que moi, je ne sortirai pas. Je ne ferai pas de mouvements en ville. Donc, je serai carré dans un camp. C'est ce qu'on appelle le maquis. Alors, ben, ça, c'est nous là-bas, c'est le bootcamp. Donc, il y aura beaucoup d'éléments et puis je serai parmi ces éléments et puis on aura parmi les meilleurs coachs très méchants pour vraiment nous traiter. Pour vous mettre en forme. Pour nous mettre en forme dans 2 semaines, 1 mois, on va vraiment se rétablir là où on était au début et devenir au plus mieux. Donc c'est ce qui m'attend là-bas. Donc là, chaque jour de ma vie, je rêve comme un centre de pleurer. Et le centre de couler par rapport à ce que j'ai choisi dans ma vie. Parce que moi j'aime comme les douleurs, c'est juste mental. Donc quand on transpire, là on pleure, on a les douleurs, c'est juste temporaire, c'est pas pour toujours. Donc, c'est ça qui fait l'amour de ce qu'on fait. Donc c'est ça. Donc en partant là, je crois que le combat sera en mars. Parce que vous connaissez déjà l'adversaire? Ouais, je connais l'adversaire. Donc nous avons le temps, on nous demande déjà nos adversaires pour se préparer mentalement. Et puis on a ce système, on va un peu voir les combats de nos opponents, comment ils se battent, pour moi créer un petit système pour comment leur battre. Stratégie, donc c'est ça. Donc c'est ça. Il est de quelle nationalité? Ouais, lui il fut zimbabwéen, donc c'est un voisin de l'Afrique, donc on peut voir, ça sera un combat très, très bon à voir, parce que nous sommes des Africains les deux, donc ça sera un combat, parce que lui, il a cette mentalité, il veut prendre quelque chose qui appartient à moi. Et puis moi, je ne serais pas si gentil que de donner ça. Donc, je veux faire que ce soit un combat. C'est vraiment un défi. Hein? Ouais, ça soit quelque chose. Le champion, je le lance déjà à son adversaire. Toujours, je dois toujours le faire. Parce que, on dit, si toi, je ne suis pas fier, si tu ne crois pas en toi-même, vraiment. Personne ne parlera de toi. Donc, moi, je crois en moi que c'est cette chose-là, j'ai mérité ça. Et puis, c'est 1 année, 2 années que j'ai fait avec ça. Je crois que les gens ont vraiment besoin de ça. Donc, ceux qui peuvent le prendre n'ont qu'à venir se prêter pour eux. Non, c'est juste ça. Champion, quand on vous regarde, vous avez un peu perdu votre forme. La santé, ça ne va pas? Voilà. Ben, je peux dire, je suis chez moi. Au moins, chez moi, je me disais, je veux devenir peut-être obèse, gros, ouais. Je veux perdre tout ce que j'avais. Mais c'est le contraire, j'ai encore maigri. Donc, là, carrément, ce qui se passe dans moi, c'est quelque chose que j'ai déjà subi aussi en Afrique du Sud. Parce que j'ai eu un de mes combats, j'étais obligé de couper au moins plus de 10 kg. Donc ça veut dire 10 kg de moi. Donc je suis devenu carrément un vrai bébé mince. Ça c'était tout pour ce papa pour un combat aussi. Donc ce qui se passe là, moi j'ai pas peur. Tout je sais, c'est juste l'alimentation et le travail. Donc là, je suis encore calme. Et puis, par rapport à comment j'ai perdu, c'est, on doit comprendre, en Afrique, j'ai pu avoir quelques petits malades, le palud, comme quelque chose que j'ai pas eu pour les années. Donc là, le corps a un peu testé ça encore, on sait juste ça. Mais ça va aller, rien n'est impossible encore, je veux toujours récupérer. Et puis les gens seraient étonnés encore. Donc, soyez un peu attentifs pour le champion qui arrive dans les 2022-2023 qui arrive là. Donc, c'est ça. Donc soyez un peu attentif. Voilà. Alors champion, nous allons donc nous quitter. Mais vous avez quand même un dernier mot hein, à l'endroit du public qui va vous suivre. Ouais. Et surtout à l'endroit de la chaîne qui vous reçoit, Congo Sport. Ouais, je veux juste remercier Congo Sport. Vraiment, vous êtes les anges. Vous êtes carrément les gardiens et les anges du pays et du monde. Parce que mon rêve pour vous, c'est être en collaboration avec vous et avoir votre nom dans un de mes sponsors, toujours présent, et vous allez être toujours présent là où je serai, parce que je veux que ce soit une famille. Parce que c'est déjà une famille. Je vous remercie vraiment, parce que
les gens qui sont présents là, demain, ce sera l'histoire qu'ils vont raconter à leurs enfants. Parce que chaque jour, vous êtes en train de vivre l'histoire et le futur. Donc vraiment, on vous remercie. La maison du sport, tout ça, je vous remercie beaucoup. Vraiment, continuez avec le bon travail et on restera toujours ensemble et on va aller en avant. Parce que là, on veut monter les étapes, on ne veut pas descendre. C'est comme le défi Mandela a dit, you gotta keep moving forward. Et en français, c'est tu dois toujours continuer à aller en avant. Parce que si ce n'est pas ça, qu'est-ce qu'on veut dans la vie? Donc je veux quand même remercier tout le staff et personnellement à ma mère, les parents, ma mère que j'aime beaucoup, qui a toujours été attentive. Et puis elle est vraiment tout pour moi. Donc pour elle, vraiment. Je fais tout ça pour la rendre heureuse et pour moi aussi, pour la famille et la population. Et vraiment, aux gens qui me voient au moins comme un rôle modèle, vraiment, continuez à ça. Et pour moi aussi, sans vous, je ne suis pas un rôle modèle. Donc, c'est vous qui créez ce champion dans moi. Donc, vraiment, je vous remercie beaucoup. Et pour cette personne qui voit cette émission, que ce soit le président, que ce soit quelqu'un qui est si gros dans le pays, je vous dis vraiment, payez un peu attention aux talents du Congo. Si ce n'est pas moi que vous allez payer attention, ne payez un peu attention aux talents qui sont dehors dans vos quartiers, quelque part dans vos ruelles, parce que c'est eux qui vont être le futur de demain. Donc vraiment, je vous remercie et vraiment merci en donnant seulement grâce à Dieu et tout. Et on se verra toujours dans les médias. Et puis, ça va continuer. Merci beaucoup. Okay. Un dernier mot en anglais, yeah, aux fans de l'Afrique du Sud. Well, so basically, to all my fans in South Africa, and you guys all know the courageous Kitubu, always busy doing and keeping grinding. So I just want to give you guys all big heads up and big blessings, because soon I'll be back and I'll be getting back my work again, and I'll make you guys proud again. As we all know, courageous Kitubu never backs down. So I just want to thank you all, my South African fans, my family, and long Makauji. So I just want to thank you all. Always being by my side, and I'll keep you. I'll make you guys proud as always. And I thank you so much. Have a good day. I love you. Merci champion d'avoir visité Congo Sport, puisque nous avons reçu sur notre plateau. Vous nous avez fait cet honneur là. En tout cas, prochainement, je pense que ça sera en Afrique du Sud. Hein? Oui, bien sûr. Ok, merci beaucoup en tout cas. C'est ici que nous mettons fin à notre émission L'Invité de la Semaine. Nous étions avec le champion MMA, Jelle Kitubu, qui nous a parlé de lui. Et en tout cas, nous avons découvert le champion et surtout cette nouvelle discipline qui n'est pas encore arrivée ici au Congo. Mais je pense qu'avec le kickboxing, on se fait déjà une idée. En tout cas, nous étions très heureux de partager ce moment avec lui. Prochainement, nous allons recevoir un autre invité. Je suis Ben Corbinson. Je dis merci à toute l'équipe qui m'a accompagné. Je serai donc de P. Malachi et de Rude Massamba qui étaient derrière la caméra et à la réalisation de cette émission. Merci, au revoir et à la semaine prochaine. Yeah.